Donc la question qui a été posée était celle de savoir sur le bar 30, quel était le masque en décimal. Je pense que c'était ça la question. Et donc nous sommes partis sur un peu en arrière pour donner les détails sur les composantes de chaque de chaque octet. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit que sur l'adresse IP, l'adresse IP à 4 octets, okay, quand nous écrivons une adresse IP, par exemple 192, 168, 1, 1, il y a 4 octets. Le masque également à 4 octets. 255, 255, 255, 0. Ce que le masque permet de faire, c'est d'identifier les bits qui sont réservés pour le réseau et les bits qui sont réservés pour les hosts, les utilisateurs. Les bits réservés pour les utilisateurs sont les bits où nous aurons les adresses IP que nous pourrons attribuer aux utilisateurs. Plus nous avons des bits ici pour les utilisateurs, plus nous avons d'adresses IP à utiliser. Et moins nous avons de bits ici, moins nous avons d'adresses IP à utiliser. Maintenant, il faut partir d'un point de vue historique, il faut partir de la classification des adresses par classe. Ce qu'on appelait le classful addressing, c'est une classification qui tenait compte de ces classes, classe A, B et C. Okay? Et chaque classe, la détermination de la classe dépendait juste de la valeur sur le premier octet. Donc, si on avait une adresse IP, par exemple, qui commençait par 2.100.1.2, vu que le 2 est entre le 1 et le 127, cette adresse IP serait considérée comme une adresse de la classe A. Lorsqu'on se retrouve devant une adresse IP qui commence par le 130, par exemple, vu que le 130 est entre le 128 et le 191, cette adresse IP est considérée comme une adresse IP de la classe B, ainsi de suite. La même logique pour la classe C. Et ces classes ont des masques par défaut. Il faut les maîtriser parce que Cisco pose généralement des questions sur ça. Et les masques par défaut nous donnent, par exemple, 255.0.0.0. Il faut être en mesure de convertir ces masques en préfixes et en binaires. Pour le faire, le point de référence, c'est le tableau des bits. Donc, le tableau que j'ai mis ici, où nous avons le 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Et donc, nous savons que nous avons déjà vu cet aspect. Nous avons parlé des positions des bits et la valeur des bits. C'est ce qui encadre tout ceci. Les positions des bits, c'est, nous avons dit, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les valeurs de ces bits, nous avons le 128. Je pense que ça ne va pas suffire. 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Le premier bit fait 128, le deuxième bit 64, le troisième bit 32, le quatrième bit 16, le cinquième bit 8, le sixième bit 4, le septième bit 2 et le huitième bit 1. Donc lorsque nous avons 8 bits activés, ça veut dire que lorsque nous avons 255, ça veut dire que nous avons 8 bits activés. Nous additionnons les valeurs qui sont sur chaque bit. Donc,
Maintenant, il y a cet aspect. On peut répéter ce tableau, ok? Considérons que ça, c'est le premier octet. Premier octet. Et nous pouvons représenter encore un deuxième octet, ici. Troisième octet. Et le quatrième octet. Donc, je vais prendre ceci. Je vais venir ici. Ça, c'est le deuxième octet, par exemple. Ça, c'est le troisième octet. Ça, c'est le quatrième octet. Je vais mettre deuxième, troisième, quatrième. OK? Maintenant, les valeurs se répètent sur les octets. Alors, nous aurons les mêmes valeurs qui vont se répéter. Les valeurs vont se répéter. Donc, maintenant, les 32 bits, il faut les considérer un peu différemment. Les 32 bits de l'adresse IP, parce que ça, c'est l'adresse IP. Les 32 bits de l'adresse IP, il faut les considérer de façon, si on peut le dire, de 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Je vais changer la position de mon bureau, donc 32. OK, donc ça, ce sont les 32 bits de l'adresse IP. Ici, la première colonne, ce sont les 32 bits. La deuxième colonne, ce sont les positions des bits. Et la troisième colonne, ce sont les valeurs des bits. L'adresse IP, c'est lorsque nous additionnons tous les bits. En fait, lorsque nous partons du premier bit jusqu'au 32e bit. Maintenant, pour le masque, nous étions en train de voir le masque. Nous avons dit que lorsque nous avons, par exemple, les 8 premiers bits, ça veut dire que tout ceci est activé et tout ce qui suit ici n'est pas activé. Donc sur le deuxième octet, nous aurons 0, 0, 0, 0. Et lorsque c'est activé, maintenant, ok, ça aussi c'est un élément. Lorsque nous disons que c'est activé, ça veut dire que nous allons voir le 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ce qui fait 8 bits et sur tout le reste, nous aurons 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Et donc, ceci va se répéter sur les autres octets. Et donc, la notation préfixe, c'est simplement... Lorsqu'on vient, on dit, on compte simplement les bits qui sont activés et on s'arrête là. On dit que les bits qui sont activés sont ceux-ci et on dit bar 8. Le bar 16, c'est lorsque nous allons activer tous les bits qui sont ici. Le bar 24, c'est lorsque nous allons activer les bits qui sont sur le troisième octet également. Ça, c'est en considérant la méthode classful. Donc, première chose, être en mesure d'identifier les adresses IP sur la base de leur classe. Deuxième chose, être en mesure d'identifier les masques par défaut de chaque classe d'adresse IP.
Et troisième chose, être en mesure de faire la conversion du décimal en notation préfixe, en notation binaire, vice-versa. Et cette conversion dépend du tableau 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Maintenant, si on vous donne, si on donne par exemple, on dit, on donne un masque 255, 255, 255, 252, donc le bar 30, c'est ce que je suis en train de dire, c'est simplement considérer que par exemple, les 8, les 3 premiers octets, nous avons des bits activés, le dernier octet, nous avons le premier bit, le deuxième bit, le troisième bit, le quatrième bit, le cinquième bit et le sixième bit qui sont activés. Et les 6 bits qui sont activés, si on vient, vous faites simplement l'addition de 128, 64, 32, 16, 8, 4, ça donne 252. En d'autres termes, dans une telle situation, nous avons 30 bits qui identifient, qui font partie de la classe réseau et 2 bits pour les utilisateurs. Ça, c'est le classful. Mais lorsqu'on arrive au classless, classless addressing, c'est là où on ne tient plus compte de ces classes. On ne tient plus compte de ces classes. Et le subnetting, c'est simplement dire, par exemple, qu'on vous donne une adresse IP de la classe C. OK? Le masque, par défaut, c'est le 24. Mais on vous dit, on veut avoir... Parce que par défaut, la classe C va nous donner 256 utilisateurs. 256 utilisateurs, dont 254 seulement sont... nous aurons 256 adresses IP, dont 254 seulement seront utilisables. Et donc ça aussi, c'est un élément dans chaque... lorsque on va dans le subnetting, il faut maintenant être en mesure d'identifier les adresses IP qui sont utilisables et celles qui ne sont pas utilisables. Aujourd'hui, on va juste donner quelques éléments simples. La prochaine fois, on va revenir sur ça. Le subnetting, c'est simplement dire que si on vous donne une classe C, par exemple, on dit, on veut avoir des réseaux qui ont 32, 25 utilisateurs. Okay? 25 utilisateurs. On peut donner un chiffre comme ça. Le subnetting, c'est simplement prendre des bits qui étaient réservés pour les hosts pour créer des subnets, pour créer des sous-réseaux. Et si par rapport à l'exigence de cet exercice, si on vous dit que nous avons besoin de des sous-réseaux qui ont 25 utilisateurs, cela vous met dans une situation où vous allez simplement chercher à savoir combien de bits vous avez besoin pour avoir au moins 25 utilisateurs. Si on vient sur ce tableau, oh, j'ai tout effacé. Ok. Si on vient sur le tableau des positions des bits, si j'ai un bit seulement, je pense que ça me donne un seul utilisateur, c'est même un c'est le c'est ce qu'on appelle les host IP address. Si je vais au si je n'ai que 2 bits, en fait là je suis en train de considérer les bits des utilisateurs, donc la partie qui va de la droite vers la gauche, donc ici là. Si je n'ai qu'un bit pour les utilisateurs, ok, je vais faire ceci. Donc ça, c'est sur le dernier octet. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je n'ai qu'un bit activé, si tous les bits sont activés, déjà, ça ne nous donne pas la possibilité de créer des subnets. Si nous n'avons que le dernier bit pour les utilisateurs, donc je vais faire ceci. Oh, excusez.
Si nous n'avons que le... Donc ici, je vais modifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si nous n'avons que le dernier bit non activé, ça veut dire que nous n'avons qu'une seule adresse IP. Si nous avons les deux derniers bits non activés, ça veut dire que nous avons quatre adresses IP utilisables. Et ça, vous allez juste partir sur la base du nombre de bits. Et il y a un autre tableau qui viendra en jeu, c'est le Powers of Two, le tableau où nous avons les puissances. Ça va un peu surcharger notre écran. Ok, on va mettre ça ici. Donc, lorsque nous avons un bit, c'est plutôt deux adresses IP. Ok, lorsque nous avons un bit ici, ça nous donne un bit où c'est un bit pour les utilisateurs, ça nous donne deux adresses IP. Et les deux adresses IP ne sont pas utilisables. Ça veut dire que nous avons l'adresse IP du network et l'adresse IP du broadcast. Mais lorsque vous allez arriver un peu en avant, vous allez comprendre que les fournisseurs d'accès Internet utilisent ce masque, le masque 31. Au début, on dit que ce n'est pas utilisable, mais lorsqu'on va arriver à un niveau, les fournisseurs d'accès Internet utilisent. Ce qu'ils font, c'est que le fournisseur d'accès Internet prend l'adresse du réseau et il donne au client l'adresse du broadcast. Je ne sais pas techniquement comment ça fonctionne, mais ils utilisent ça. Donc ça, c'est lorsque vous avez le 0 pour le host, 2 bits seulement, c'est le bar 31, et au niveau du CCNA, on peut dire que c'est pas utilisable. Voilà. Mais lorsque nous avons 2 bits pour les hosts, ça veut dire que nous avons, fonction du tableau, nous avons 4 adresses IP. Et les 4 adresses IP, nous savons le principe, c'est que nous avons 2 adresses IP qui ne sont pas utilisables dans chaque subnet, quelle que soit la taille du subnet. Quelle que soit la taille du subnet, nous aurons toujours la première adresse IP. La première adresse IP qui représente le subnet, le réseau, le code postal, et la dernière adresse IP qui est l'adresse IP de diffusion. Donc, maintenant, pour partir sur l'aspect des 25 utilisateurs, c'est simplement, si on revient sur ce tableau, 25 utilisateurs, quel est le masque qu'on peut utiliser? On a besoin de combien de bits pour avoir un masque qui va permettre d'avoir 25 utilisateurs? 4 bits. 4 bits. 4 bits nous donne 16 utilisateurs, 16 adresses IP. 5 plutôt. Ouais. Voilà, 5. Le 32. Voilà. Donc, c'est aussi c'est généralement une façon que Cisco pose les questions. Combien de bits avons-nous besoin pour un réseau de 50 adresses IP, par exemple? Ok. À partir de ce moment, vous venez ici. Dites ok. Pour 50 bits, pour 50 adresses IP, je dois utiliser. J'ai besoin de 6 bits pour les hosts. 6 bits pour les hosts. Ce qui donne ce soit 4 par subnet. Maintenant, le subnetting, c'est quoi? Le subnetting, c'est simplement... Je disais que le subnetting, c'est simplement le fait qu'on dit, ok, la classe C, nous avons le masque par défaut ici. Si on nous demande d'avoir des réseaux où nous avons 25 utilisateurs, nous avons besoin donc de 5 bits. Ok, nous allons faire ceci. Nous allons 2, 3, 4, 5. Nous aurons alors 5 bits pour les utilisateurs et nous allons convertir les 3 bits de cet octet en subnet. Et ce qui va donner ceci. Au départ, la classe est divisée en network plus
host avec le subnetting, l'adresse IP sera divisée en trois parties: network, subnet, host. Et les subnets, ce sont simplement les bits qui étaient réservés pour les hosts qui sont convertis, en fait, qui sont, on les active pour créer des subnets. Donc au départ, tous les bits ici étaient pour les hosts, ce qui donnait en réalité 250 ici, plutôt. Je vais mettre ça ici. Ici, avec 8 bits activés, si on repart sur le tableau, 8 bits activés, ça nous donne 256, ok. Donc, nous avions au départ 256 adresses, dont, moins 2, ok. Vous allez souvent voir moins 2. Moins 2, c'est simplement, on dit, ok, deux adresses IP qui ne sont pas utilisables, l'adresse du réseau et l'adresse du broadcast. Et lorsque nous créons des subnets, nous disons ok. D'abord, je vais modifier le masque. Le masque, en notation préfixe, c'est simplement dire que nous avons maintenant les 24 bits plus les 3 bits qui ont été activés, ça nous donne 27. Et donc, quand on a un masque de 27, nous avons donc 32 adresses IP par bloc, par subnet, dont 30 sont utilisables. Donc, je pense que pour le subnetting, il y a trois éléments clés. Le comprendre la structure de l'adresse IP, les 32 bits. Comprendre que les 32 bits sont divisés en 4 parties, chaque partie appelée octet. Comprendre que chaque octet a une structure, des valeurs sur chaque bit qui se répète. Ok, lorsque je dis ça se répète, c'est simplement que ça va de 128 à 1 sur le premier octet, 128 à 1 sur le deuxième octet, 128 à 1 sur le troisième octet, 128 à 1 sur le quatrième octet. Et le principe, l'autre principe est que là où les bits sont activés, les bits qui sont activés plutôt représentent le réseau, soit le réseau simplement, le network, ou encore le network et le subnet. Quand il y a le subnetting appliqué, les bits qui sont activés représentent le network et le subnet. Et les bits qui ne sont pas activés représentent les hosts. Plus nous avons de bits non activés, ok, plus nous avons de hosts. Moins nous avons de bits non activés, moins nous avons de hosts. Et tout dépendra des exigences de l'exercice. Donc, quand on a compris cette structure, et puis après comprendre aussi, surtout comprendre le tableau des bits. Au départ, vous êtes obligé de mémoriser pour comprendre, mais après, vous n'êtes pas obligé parce que vous pourrez toutefois jeter un coup d'œil. Lorsque j'ai 10 bits, j'ai combien d'adresses IP? C'est important de revenir sur ces éléments par rapport à la question de Devin. Donc, pour faire simple, lorsque vous avez le masque encore, vous avez le masque et à l'esprit, cette structure, tout ceci, cette structure, du moins, lorsque vous avez 30, l'une des façons simples pour vite calculer, c'est simplement coucher sur une feuille, compter à 1 jusqu'à 27, vous avez 27 bits, ok, par exemple, si c'est barre 27, prenez une feuille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 27, vous dites que ça, c'est la partie réseau. Et subnet, et il me reste 5 bits pour faire les 32, et les 32 bits, les 5 bits, c'est pour les hosts. Donc c'est ça. Donc si vous avez 30, vous faites jusqu'à 30, il me reste 2 bits, les 2 zéros pour les hosts, et vous pouvez venir ici
sur le tableau pour voir le nombre d'adresses IP que vous avez sur le bloc. Et une fois que vous avez cela, vous pouvez... L'autre élément, nous pourrons le voir prochainement. Par exemple, lorsque vous... On peut le faire rapidement, vu que nous y sommes maintenant. Je vais effacer ce que j'ai... Je vais d'abord cacher ça. OK. L'autre élément, c'est maintenant de... Par exemple, lorsque vous avez le bar 27, OK? On vous demande maintenant d'écrire les subnets par ordre. Vous savez que le premier, tout dépend de l'adresse IP. Nous sommes en train de faire le calcul, nous n'avons pas encore d'adresse IP. Supposons qu'on nous donne, on va prendre une adresse IP simple, on nous donne le 192.168.1.0. 24 et on nous a demandé de le subdiviser en appliquant le masque de 27, ce qui veut dire que le premier subnet 192.168.1.0, ça c'est le premier subnet, vu que nous sommes en train d'appliquer le masque de 27, ok, sur ce bloc de 24, cela va nous donner 32 adresses IP, donc ça fera de 192.168.1.0 jusqu'à 192.168.1.31. Ça c'est tout la fourchette des adresses IP du premier subnet. Maintenant dans cette fourchette, vous devez être en mesure d'identifier la première adresse IP. Je vais écrire ici première adresse IP. Première adresse 192.168. Non, je vais préciser adresse réseau, adresse subnet, subnet adresse, subnet adresse 10, et puis nous aurons first usable IP. Le first usable IP, c'est la première adresse IP qui peut être utilisée. 192.168.1.1. And le last usable, la dernière adresse IP utilisable. Last usable. Vous aurez le last usable IP, vous aurez le 192.168.1.30 et le broadcast IP de ce subnet, ce sera le 192.168.1.31. Premier subnet. Maintenant, le deuxième subnet, c'est simplement pour trouver les éléments du deuxième subnet, ce sera simplement un jeu mathématique, faire des additions. Ça veut dire que le deuxième subnet, vous voyez que ça veut dire que le précédent subnet, OK, le premier subnet s'est arrêté au 31. OK, le premier subnet. Ça veut dire que le prochain subnet commence par le 32. Et vous comptez jusqu'à 63. OK, ça c'est la fourchette de ce subnet. Et puis vous allez dériver les éléments de la même façon. Subnet adresse 32. First usable address 33. Last usable address, ce sera le 62, je pense.
Et le broadcast, ce sera le 63. Donc ça, c'est une façon un peu de il faut, je recommande de s'amuser avec ces chiffres, ces tableaux, jusqu'à ce que ça devienne comme une habitude. Il faut s'amuser avec ces tableaux parce que les questions peuvent venir dans tous les sens. On peut dire, on vous donne un tel bloc, quelle est la première adresse IP utilisable? On vous donne tel bloc, quel est le broadcast address? Donc, comprendre les principes, ça prend du temps, mais c'est avec de la pratique. Donc, ici, là. L'objectif d'un protocole de routage dynamique, c'est de prendre connaissance des subnets. Donc ça, c'est un élément, c'est le premier élément important à comprendre, que dans un réseau qui est convergé, nous aurons des subnets. Ok, nous avons un subnet ici, 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 ici c'est un subnet, nous avons un subnet ici, ça c'est un subnet. Ici également, c'est un subnet. Nous ne l'avons pas encore activé, mais c'est un subnet. En fait, si nous le configurons, ici, c'est un subnet. OK, ça, c'est un LAN, ce que nous considérons comme un LAN. Et ici aussi, on pouvait ajouter un LAN ici, là. Lorsque le réseau est totalement convergé, tous les routeurs doivent apprendre connaissance, doivent prendre connaissance de tous ces subnets. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, tous les routeurs dans un réseau qui fonctionne normalement doivent prendre connaissance des 11 subnets. Donc, le premier travail d'un protocole de routage, prendre connaissance des sous-réseaux au travers des routeurs voisins. Donc, voilà pourquoi nous créons la relation OSPF. Une fois que cette relation est créée, chaque routeur commence à informer les autres. Parce que par principe, nous le savons, chaque routeur aura connaissance des subnets, des subnets connectés, dans des réseaux connectés. Si nous repartons sur ici, show IP route, nous verrons que nous avons des réseaux qui sont connectés. Connected routes. Et en dehors de ces réseaux qui sont connectés, nous avons aussi les réseaux qui sont OSPF. Les réseaux qui sont connectés, nous le savons, ce sont les adresses IP que nous avons configurées sur ces interfaces. Le routeur 1 connaît à propos de ces réseaux connectés parce que nous avons configuré des adresses IP avec des masques sur les interfaces du routeur 1, de la même façon que nous avons fait sur chaque routeur. Dans chaque routeur, nous avons configuré une adresse IP et un masque. Donc, chaque routeur a des subnets qu'il considère comme connected. Parce que nous avons configuré des adresses IP. Mais maintenant, comment est-ce que le routeur 1, nous sommes dans le routeur 1, a pris connaissance, par exemple, du loopback 777 qui appartient au routeur 7? Si je viens ici, se poser la question, nous avons configuré le loopback ici, on peut se poser la question, comment est-ce que le routeur 1 a pris connaissance de ce loopback? C'est au travers de OSPF, c'est simplement parce que le routeur 7 a une relation OSPF avec le routeur 8, le routeur 7 a une relation OSPF avec le routeur 6, et donc le routeur 8 a pris connaissance de ce loopback. Il a informé le routeur 2, le routeur 2 a informé le routeur 1. Le routeur 6 a également fait la même chose, il a informé le routeur 1. Donc, tout ce qui n'est pas connected est découvert au travers du routage dynamique, donc le protocole dynamique. Donc, le premier travail, prendre connaissance des sous-réseaux. Deuxième travail des routeurs dans le contexte d'un routage dynamique, c'est informer, annoncer les informations concernant les sous-réseaux. Troisième travail, s'il existe plusieurs routes itinéraires possibles pour atteindre un sous-réseau, choisir la meilleure route sur la base d'un paramètre appelé métrique. Alors ça, c'est un élément très important. Lorsque, si nous nous mettons du point de vue du routeur 1, le routeur 1 a
combien de routes? Je vais effacer ceci. Le routeur 1 a combien de routes pour atteindre le loopback du routeur 4? Qui est le 4? 4. 4. 4. Le routeur 1 a combien de routes? Nous pouvons dire que le routeur 1 a deux routes. Une route au travers de l'interface Ethernet 00 et une route au travers de l'interface Ethernet 02. Ça, c'est possible. Comment est-ce qu'on peut le valider? Si on va dans le routeur 1, nous faisons show IP route 4444. Remarquez que, effectivement, on nous dit pour ce. Cette adresse IP, le routeur 1 l'a découvert au travers de OSPF. Le processus 1, c'est le processus que nous avons configuré. Lorsqu'on dit IP OSPF 1, c'est le processus. La distance est 110. La distance, nous l'avons vu, c'est ici, c'est la distance administrative du protocole OSPF. Après, nous avons le metric qui est de 22. Type intra-area. Nous allons d'abord passer outre. Nous allons nous focaliser sur ces deux paramètres. Okay? Le routeur 1 a deux possibilités pour atteindre le routeur 4. Et du coup, il y a, en fait, la première possibilité, c'est au travers de l'Ethernet 00. La deuxième possibilité, c'est au travers de Ethernet 02. Remarquez que pour les deux possibilités, le metric est le même. 22, 22. Donc, il y a deux possibilités. Du coup, si on vient, on fait ping 4444. On peut ping trace route. On va essayer de tracer la route. Remarquez que ça nous met. Lorsque vous voyez, au départ, moi, personnellement, j'étais un peu. Je ne savais pas, je me disais peut-être qu'il y a un loop. Non. Lorsqu'on voit un tel trace route, ce n'est pas un loop, c'est simplement qu'il y a la balance du trafic. Le routeur 1 a deux routes qui ont un métrique égal, donc il envoie les paquets au travers des deux routes. Par contre, si, ok, ici nous avons vu que le métrique c'est de 22 des deux côtés. Si on essaye avec le loopback 3, si on fait show IP route, 3, 3, 3. Remarquez que ici le routeur 1 a mis une seule route pour atteindre le loopback 3 et c'est au travers de Ethernet 02. Encore, ne nous trompons pas, ne nous disons pas c'est parce que il n'y a qu'un seul hop. Ok, d'un point de vue humain, nous pouvons tout de suite dire que le routeur est en train d'envoyer au routeur 2 parce que apparemment c'est proche. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que c'est proche. C'est un problème de métrique. Ok? Parce que d'un point de vue humain, on peut dire que le routeur 1 préfère envoyer au routeur 2, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul hop. Par contre, au travers du routeur 6, il y a trois hops, trois routeurs entre le routeur qui transmet le routeur et le point de destination. Ce n'est pas ça le principe. Pourquoi? Si on se met du point de vue du routeur, on va prendre un peu le même, illustrer le même scénario. Du point de vue du routeur 2, si on veut ping le loopback du routeur 6, donc le 666, okay. Par rapport à ce que nous avons vu ici, on peut se dire que le routeur 2 va envoyer les paquets ici là, parce que c'est plus proche. C'est ce qu'on peut se dire. Or, ce n'est pas le cas. Si on vient au routeur 2, on fait ping 666, il peut ping trace route. On va voir qu'il est la route qu'il est en train de prendre. Trace route 6666. On voit bien que il est en train d'envoyer les paquets au 111.1.1.2
qui est ici, il préfère prendre la route qui est longue. La route qui est longue ici, là. Du point de vue physique, bien sûr, il y a trois hops pour arriver au routeur 6, alors qu'ici, il n'y avait qu'un seul hop. On se dit, pourquoi est-ce qu'il le fait? Encore, c'est le metric. Et c'est un élément que nous allons voir. Donc, bref, s'il existe plusieurs itinéraires, il pour atteindre un sous-réseau, choisir la meilleure route sur la base d'un paramètre appelé metric. Donc, c'est le metric qui permet à un protocole de routage de choisir la meilleure route. Quatrième point, si la topologie du réseau change, un lien se déconnecte, réagir en annonçant certains itinéraires, routes appelées, en annonçant que certains itinéraires, routes, ont échoué et choisir un nouvel itinéraire actuellement meilleur. Si j'efface encore, tout de suite, nous avons vérifié que le routeur 1, pour atteindre le loopback du routeur 3, préfère passer par le routeur 2. Qu'en est-il si, par exemple, cette interface est down? Okay? Cette connexion est down. Est-ce que le routeur 1 va toujours envoyer ici? Essayons de le faire. Si on revient ici, excusez, on va au routeur 2 par exemple. Configure terminal, interface, ETH 00, shutdown. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons brisé, d'abord, nous avons brisé la relation OSPF entre le routeur 2 et le routeur 3. OK. Maintenant, le routeur, ce que nous avons fait, il y a maintenant une connexion qui est down. OSPF doit recalculer les paramètres. Comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que le routeur 1 doit faire pour atteindre le loopback 3? Est-ce qu'il y a des nouvelles itinéraires? Est-ce qu'il y a des nouvelles routes? Quelle est la meilleure route à prendre maintenant? Si nous repartons au niveau du routeur 1, nous allons toujours faire show IP route 333. Remarquez que avant c'était le routeur 2. Ethernet 2 plutôt, c'était au travers de Ethernet 2 avant que lorsque cette connexion fonctionnait. Mais maintenant que cette connexion ne fonctionne pas, le routeur 1 va vers le Ethernet 00. Lorsqu'il partait au travers de Ethernet 02, le metric était de 21. Et maintenant qu'il va au travers de Ethernet 00, le metric est de 23. Le metric a changé. La raison pour laquelle il préférait prendre le Ethernet 02 au départ, c'est parce que le metric du Ethernet 02 était inférieur, était de 21. Donc c'était un metric qui était supérieur du point de vue de OSPF, de better metric. Et maintenant que cette route n'est plus disponible, c'est comme on dit, à défaut de prendre le meilleur, je prends la deuxième option. Donc ça, c'est un peu le concept de toujours nous sommes en train de voir le choix des routes et aussi le concept de metric du point de vue des protocoles de routage. Donc ça, c'est un peu... Après, il y a le concept pour... Je vais rapidement parler de la distance administrative. Lorsque nous avons un réseau qui fonctionne avec OSPF seulement, le choix se fait sur la base du metric. Parce que sur toutes ces routes, nous avons OSPF. Si on disait par exemple que ici nous avons EIGRP, EIGRP, et ici nous avons OSPF, ici nous avons OSPF, le choix de la route pour atteindre le loopback 6 ne va plus dépendre du métrique seulement. Il y aura la distance administrative qui va jouer. Et la distance administrative, dans le manuel, il y a un tableau qui donne des éléments. Je vais partir là-bas. Concept.
Donc ici, vous allez voir qu'il y a okay, ce tableau. Je vais changer le... Il y a ce tableau qui nous donne les distances administratives. Les routes connectées, c'est une valeur. La distance administrative, c'est 0. Les routes statiques, c'est 1. BGP, c'est 20. EIGRP, ce que nous avons mis ici, c'est 90. OSPF, c'est 110. Donc, si nous avons deux protocoles, vu que EIGRP a 110, non, 90, excusez, et que OSPF a 110, le routeur devra envoyer les paquets au travers de cette connexion. Parce que la distance administrative va maintenant sera l'élément qui va déterminer le choix de la meilleure route parce qu'il y a deux protocoles. Lorsque nous avons deux protocoles qui sont en concurrence, ou dans pas seulement deux protocoles de routage, parce que nous avons aussi les routes connectées, ok? Lorsque nous avons deux sources d'information, pour être précis, il faut parler de sources d'information parce que les routes connectées, ce sont des sources d'information. La route statique, c'est une source d'information. Les protocoles de routage dynamique, ce sont des sources d'information. Lorsque nous avons deux sources d'information différentes, lorsque le routeur a connaissance d'un subnet au travers de deux sources d'information différentes, il fait son choix sur la base de la distance administrative. Et le tableau est là. The better. Et c'est un chiffre qui va entre 0 à 255. Donc, il y a les notes dans notre présentation, dans la présentation. Et l'autre élément, je pense que c'était rapidement aussi, va faire la différence entre les IGP et les EGP. De façon simple, c'est représenté ici. Les IGP, nous avons, ce sont les protocoles qui fonctionnent dans un réseau, dans un système autonome. Par système autonome, nous entendons parler d'un réseau qui est sous le contrôle d'une organisation. Par exemple, si votre société, vous travaillez pour une société, une banque telle que UBA ou encore pour un fournisseur tel que Orange MTN, votre structure aura un réseau interne, un réseau autonome qu'il contrôle. Et généralement, les protocoles qui font fonctionner, qui fonctionnent dans les réseaux internes, c'est OSPF et IGRP. Nous avons RIP qui est décédé. Nous avons ASAS. Et il faut aussi faire la lecture pour comprendre la distinction à l'intérieur des IGP. Donc, à l'intérieur des IGP, nous avons trois catégories. Nous avons les Distance Vector Protocol tels que RIP. Ce que Distance Vector Protocol fait, c'est qu'il compte juste le nombre de routeurs entre le point de transmission et le point de destination. Donc, là où il y a moins de routeurs entre le point de transmission et le point de destination, ils vont choisir cette route. Par contre, OSPF, c'est un Link State et ASAS. OSPF et ASAS prennent en compte le cost. Le cost dépend de la bande passante. Donc, ça, ce sont les IGP qui sont dans les systèmes autonomes. Et pour interconnecter les systèmes autonomes, nous avons la catégorie External Gateway Protocol et il n'y en a qu'un seul, c'est BGP. Vous et moi, si nous sommes en train de connecter, nous sommes connectés, si l'Internet fonctionne, c'est grâce à BGP. Donc ça, c'est très très important de comprendre la différence entre les IGP, ok, les Interior Gateway Protocol et les EGP. Ça y est là. IGP, EGP. C'est un key topic comprendre cette distinction. C'est un key topic. IGP was designed and intended for use inside a single autonomous system. Donc à l'intérieur d'un réseau contrôlé par une organisation. Et le EGP, designed and intended for use between different autonomous systems.
Donc, à partir du moment où on veut interconnecter des réseaux qui appartiennent à des organisations différentes, ce qui est logique, MTN a son réseau, Orange a son réseau, AT&T a son réseau, la Micodec a son réseau, UBA a son réseau, les banques, toutes ces structures ont leur réseau. S'ils veulent que leur réseau soit interconnecté, ils font recours à un IGP, Exchange Gateway Protocol, et l'unique que nous avons, c'est BGP. Donc ça, c'est... voilà. Après, nous avons la distinction à l'intérieur des IGP. Nous avons les distance vectors, nous avons les link state. Et après, nous avons un peu les caractéristiques. C'est pas un kit topic, distance administrative. Et puis après, nous sommes tombés sur OSPF. Donc, maintenant, pour ce qui concerne OSPF, nous avons vu que j'ai déjà donné quelques éléments, mais je vais lire rapidement pour survoler. Les protocoles de routage échangent essentiellement des informations afin que le routeur puisse prendre connaissance des routes. Les routeurs prennent connaissance des informations sur les sous-réseaux, les routes vers ces sous-réseaux et des informations sur les métriques qui déterminent la façon que chaque itinéraire se compare aux autres. Le protocole de routage peut alors choisir la meilleure itinéraire vers chaque sous-réseau en construisant la table de routage IP. Donc, au fur et à mesure que les routeurs prennent connaissance des sous-réseaux qui sont dans le système autonome, dans le réseau, ils mettent ces sous-réseaux dans la table de routage. Et puis voilà. Les protocoles à état de lien, Link State comme OSPF, adoptent une approche un peu différente des détails, des informations qu'ils échangent et ce que les routeurs font avec ces informations. Les protocoles à état de lien, Link State, construisent des routes IP en quelques étapes principales. Tout d'abord, les routeurs construisent ensemble beaucoup d'informations sur le réseau, les routeurs, les liens, les adresses IP. Informations sur les détails, donc si le link est up ou down. Ensuite, les routeurs propagent ces informations de sorte que tous les routeurs prennent connaissance des mêmes informations. À ce point, chaque routeur peut calculer les routes vers tous les sous-réseaux, mais du point de vue de chaque routeur. Alors ici, c'est très important. Une fois que tous les routeurs se partagent les informations, chaque routeur aura une base de données qui est identique à tous les autres routeurs. Donc, en d'autres termes, tous les routeurs doivent avoir des informations identiques. Et chaque routeur pourra maintenant calculer la meilleure route pour atteindre les autres sous-réseaux. Maintenant, il y a deux éléments à analyser. Ce sont les informations concernant la topologie et le LSA Link State Advertisement. Et appliquer une formule mathématique appelée le Dijkstra SPF pour trouver les meilleurs itinéraires. Nous n'avons pas besoin de connaître cette formule ou bien encore de mémoriser cette formule Dijkstra, mais si vous voulez vérifier cette formule, vous partez sur Internet, vous allez voir exactement à quoi la formule ressemble. Mais au niveau du CCNA, nous n'avons pas besoin. Alors, les informations concernant la topologie et le LSA. Les routeurs utilisant des protocoles de routage à état de lien, Link State, doivent annoncer collectivement tous les détails sur les réseaux à tous les autres routeurs. À la fin de ce processus de propagation des informations à tous les routeurs, appelé flooding, chaque routeur du réseau possède exactement les informations sur les réseaux. Donc, il y aura la cascade des informations. Le routeur 4 va informer, le routeur 3 va informer, le routeur. Donc, à la fin, tous les routeurs doivent avoir des informations identiques. Maintenant, OSPF, le protocole de routage IP à état de lien le plus populaire, organise les informations de topologie à l'aide des LSA, Link State Advertisement, et de la base de données d'état de lien, base de données appelée LSDB. Chaque LSA est une structure de données avec des informations spécifiques sur la topologie du réseau. Et le LSDB est simplement la collection de tous les LSA connus d'un routeur. Donc le premier élément, je pense, le premier élément capital à comprendre, c'est le LSA, le concept de LSA.
Le NSA est une structure de données avec des informations spécifiques sur la topologie du réseau. Et le LSDB, c'est simplement la collecte de tous les, une collection de tous les LSA. Si nous venons ici, relation entre LSA et LSDB, nous avons que le LSDB, c'est simplement la base de données, et à l'intérieur, nous avons les LSA. Propagation. Alors, si nous venons ici, c'est simplement pour donner l'exemple que lorsque nous configurons une adresse IP et un masque sur l'interface d'un routeur, le routeur va informer les autres routeurs sur, bien sûr, que lorsque nous mettons cette interface dans OSPF, et nous l'avons vu qu'il y a deux méthodes pour mettre une interface dans OSPF, soit avec la commande IP OSPF 1 Area 0, ou encore en allant sur routeur OSPF 1 et mettre la commande network, mettre le réseau qui est configuré sur l'interface et la zone. Donc, mettre l'interface dans OSPF. Une fois que l'interface est dans OSPF, c'est une façon de dire au routeur, tu peux informer les autres routeurs qui parlent OSPF à propos de ce sous-réseau. Okay? Donc, dis aux autres que tu peux atteindre ce sous-réseau au travers de OSPF. Donc, ça, c'est une illustration de mettre une interface dans OSPF. Alors, l'image ci-dessus montre un exemple simplifié du processus de propagation floo d'in des LSA avec le routeur 6 envoyant le LSA d'origine et les autres routeurs propageant le LSA en le transmettant jusqu'à ce que chaque routeur ait une copie. C'est un élément très important. Si nous revenons ici, le routeur 6, nous avons configuré une adresse IP 172.16.3.1, masque 24 sur l'interface F00 et ce que le routeur 6 va faire, il va communiquer à tout le monde. Lorsque les autres reçoivent, ils vont continuer à propager l'information. Donc ça, c'est le flooding, le LSA flooding. Le processus de propagation amène chaque routeur à apprendre le contenu du LSA tout en empêchant le LSA de circuler en rond. Fondamentalement, avant d'envoyer un LSA à un autre voisin, les routeurs communiquent en demandant: avez-vous déjà ce LSA? Puis en envoyant le LSA proche au prochain voisin uniquement si le voisin n'a pas encore pris connaissance du LSA. Si nous revenons encore sur cette topologie, lorsque le routeur 6 va propager son LSA, nous savons que il va partir au travers de ces routeurs. Ok? Supposons que le routeur 1, non, selon notre topologie, ça c'est le routeur 2. Supposons que le routeur 2 reçoive déjà le LSA. Lorsque le LSA va arriver à ce routeur, avant que le routeur 1 ne transmette le LSA au routeur 2, il va lui demander: as-tu déjà reçu le LSA concernant le 172.16.3.1? Il va lui dire: oui, j'ai déjà ce LSA. À partir de ce moment, le routeur 1 ne va pas transmettre le même LSA au routeur 2. Donc ça, c'est un principe qui permet d'éviter le loop des LSA, pour éviter que les routeurs se transmettent les LSA indéfiniment. Donc ils doivent d'abord vérifier si les autres routeurs ont déjà reçu. Et s'ils ont déjà reçu, ils ne transmettent pas les dites LSA. Donc, une fois propagé, les routeurs réinjectent occasionnellement chaque LSA. Donc, il y a la propagation initiale, c'est lorsque nous activons OSPF sur un lien. Maintenant, à quel moment est-ce que le routeur va encore propager le LSA? À quel moment? Et à quelle occasion? Une fois propagé, les routeurs réinjectent occasionnellement chaque LSA. Les routeurs réinjectent un LSA lorsque certaines informations changent. Par exemple, lorsqu'un lien est up ou down, ils réinjectent
chaque LSA en fonction de la minuterie de vieillissement distincte de chaque LSA. Alors, il y a deux cas ici à distinguer. Si nous revenons sur notre topologie, souvenons-nous que nous avons désactivé cette interface entre-temps. Okay? Lorsque nous avons désactivé cette interface, il y a un LSA qui a été envoyé, un Link State Advertisement, informant les autres routeurs de la topologie que cette connexion ne fonctionne plus. Donc, en d'autres termes, le routeur 2 a envoyé, le routeur 3 aussi a envoyé, puisque les deux sont concernés par cette situation. Ils ont dit, écoutez, je n'ai plus la possibilité d'envoyer les paquets à ce subnet, au 111.1.1.0, parce que cette connexion est down. Donc, c'est là où c'est le cas de... lorsque certaines informations changent, par exemple lorsque un lien est up ou down. Donc, on doit informer. Pas seulement lorsqu'un lien est up ou down. Il y a d'autres cas, par exemple, lorsque nous pouvons partir, mais un peu en avant, lorsque nous allons avancer, il y a des cas où on peut partir, on peut modifier la bande passante d'une interface. Le cost, lorsqu'il est modifié, puisque OSPF calcule son métrique sur la base du cost, il va également informer que est-ce que ce cost a amélioré ou encore dégradé le métrique. Donc ça, c'est l'un des cas où le LSA aussi est propagé. Mais pour l'instant, l'élément le plus simple à comprendre, c'est lorsque le statut de l'interface change, up ou down, les routeurs doivent informer les autres. Et le deuxième cas, effectivement, c'est la minuterie de vieillissement. Donc, chaque LSA a une durée de vieillissement. Je pense que si nous partons dans OSPF, ici, show IP OSPF database, il y a un âge ici. Okay? Nous voyons qu'il y a un âge. Et on nous dit que c'est 30 minutes. Oui, ici. Il nous reste quelques minutes, nous aurons la chance de voir comment ça va arriver. Lorsque j'ai fait le show IPOSPF, c'était à 1227, on vérifie encore. Ouais, c'est à 1293 maintenant. Ouais. Ok, donc ça c'est le deuxième cas, c'est la minuterie de vieillissement. Alors, une fois que nous avons que les routeurs ont connaissance de ces informations, les LSA, ils ont les LSA, donc les informations concernant le réseau, les subnets, les statuts des interfaces et tout ça, ils vont maintenant appliquer la formule mathématique, l'algorithme mathématique Dijkstra SPF pour trouver les meilleurs itinéraires. Le processus de propagation de l'état des liens fait que chaque routeur a une copie identique du LSDB en mémoire. Mais le processus de propagation à lui seul ne permet pas à un routeur d'apprendre quelle route ajouter à la table de routage IP. Bien qu'incroyablement détaillé et utile, les informations contenues dans le LSDB n'indiquent pas explicitement le meilleur itinéraire de chaque routeur pour atteindre une destination. Le LSDB, c'est simplement une base de données qui contient les informations détaillées sur le réseau. Mais comment est-ce que je vais savoir, je vais choisir la meilleure route? Parce que c'est un élément très important du routage. Il faut choisir la meilleure route. Pour choisir la meilleure route, il faut appliquer la formule Dijkstra. Pour construire les routes, les routeurs à état de lien doivent faire quelques calculs. Heureusement, vous et moi n'avons pas à connaître ces maths, les maths. Cependant, tous les protocoles à état de lien utilisent un type d'algorithme mathématique appelé algorithme Dijkstra Shortest Path First pour traiter le LSDB. Cet algorithme analyse avec mathématiques le LSDB et construit les routes que le routeur local doit ajouter à la table de routage IP. Routes qui répertorient une adresse IP et un masque de sous-réseau, une interface sortante, l'adresse IP du next hop. Donc, c'est ce que nous avons illustré lorsque nous avons fait quelques tests pour atteindre le loopback 333. Lorsque nous avons fait la vérification, souvenez-vous, nous avons
vu que l'euro au départ, pour le 4, je pense, ok. Ok, pour le 4, par exemple, le routeur a deux routes, ok. Et lorsqu'il a deux routes comme ça, il précise l'interface de sortie, le next hop. Ok, ici c'est l'interface de sortie et le metric. Et je pense que ok, là, one voilà, ça c'est les informations qui sont répertoriées lorsque on. Voilà. Ok, le next hop que je suis en train de chercher, ouais, c'est juste là, ok, ouais. Non, ça c'est le next hop IP, l'interface de sortie. Et le masque de sous-réseau est là. Ici, ça nous montre 32 parce que ces adresses IP, les loopbacks ont été configurés avec le masque 255, 255, 255, 255. Si on fait un test vers une route telle que le 111.1.2.0, donc si je fais show IP route 111.1.2.0, vous voyez que ça nous montre le masque que nous y avons configuré, le 111.1.2.0 bar 30. Donc ça, c'est les informations, donc le masque et les autres informations. Alors, les trois éléments fondamentaux. Comment est-ce que OSPF fait pour arriver, c'est-à-dire pour partir de la découverte des informations jusqu'au calcul de la meilleure route? Trois éléments, trois points à retenir. Il y a trois principales étapes qui définissent le processus au travers duquel, excusez, les routeurs OSPF accomplissent le travail d'échange de LSA et de calcul des itinéraires. Première étape, devenir voisin. Nous l'avons vu qu'avant de faire quoi que ce soit, il fallait activer la relation de voisinage entre les routeurs. Relation entre deux routeurs qui se connectent au travers d'une même connexion physique. La relation de voisinage est créée pour que les routeurs voisins aient un moyen d'échanger leur LSDB. Donc, nous créons une relation de voisinage entre routeurs, ce qu'on appelle le IP-OSPF Neighborship, pour que les routeurs puissent échanger le LSDB. Échange de base de données. Une fois que cela est fait, une fois que les routeurs sont voisins du point de vue de OSPF, il y a l'échange des données. Processus d'envoi de LSA aux voisins afin que tous les routeurs prennent connaissance des mêmes LSA. Donc, les routeurs vont commencer à échanger des informations. Et puis après, troisième élément, logique, calcul des meilleurs itinéraires. Donc, calcul des meilleurs itinéraires, je vais d'abord lire. Le processus de chaque routeur exécutant indépendamment l'algorithme SPF sur leur copie locale du LSDB, calculant les meilleurs itinéraires et les ajoutant à la table de routage IPv. Donc, le calcul des meilleurs itinéraires, c'est simplement l'exécution de la formule Dijkstra algorithm sur la copie locale du LSDB. Pour calculer les meilleurs itinéraires. C'est tel que j'ai dit, c'est une formule mathématique, nous n'avons pas besoin de connaître. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous partez sur Google, vous faites Dijkstra algorithme, ça va vous montrer cette formule. Donc, la première étape, effectivement, c'est de devenir voisin. Voisin du point de vue, bien sûr, de OSPF. Alors, nous configurons OSPF pour que les routeurs exécutent OSPF et devenir voisins avec les autres routeurs. Une fois que la relation OSPF est établie, OSPF fait le reste du travail pour échanger les LSA et calculer les itinéraires en arrière-plan sans configuration supplémentaire. Remarquez que c'est vraiment une, je dirais, une bénédiction, encore une facilité. Ok? On dit, ce que vous avez à faire en tant qu'ingénieur, c'est simplement créer la relation OSPF. Et une fois fait, le routeur lui-même va faire le reste du travail. Découvrir les sous-réseaux, ajouter ces sous-réseaux dans le LSDB et puis
faire le calcul de la meilleure route. Donc, voilà pourquoi la première chose à maîtriser, c'est comment configurer OSPF, en fait, comment activer la relation OSPF entre les routeurs. Donc, la relation de voisinage OSPF. Les voisins OSPF sont des routeurs qui utilisent tous deux OSPF et qui se trouvent tous deux sur la même liaison de données. Tous les routeurs peuvent devenir des voisins OSPF s'ils sont connectés au travers d'un même VLAN ou au travers d'un même lien de série ou même d'une liaison Internet. Tout ce que nous avons ici, ce sont des liaisons Internet, ok? Ce sont des connexions Ethernet. J'avais prévu cette partie dernièrement, nous avons configuré cette partie. C'était pour illustrer l'aspect que les routeurs peuvent se connecter au travers d'un même VLAN. Okay? Nous n'avons pas configuré de VLAN ici. Nous avons laissé simplement le VLAN 1, donc le VLAN par défaut. Nous allons activer cette relation rapidement. Si nous partons dans le routeur 1, je vais vérifier c'est quelle interface ici. C'est le 01. Show IP interface brief. Le 01 n'a pas d'adresse IP, c'est shutdown. On a config de terminal. Interface Ethernet 01. On chat. IP address. IP address, nous avons décidé de mettre le 150.1.1.0. IP address 150.1.1.0. Donc l'adresse IP sera le 1 pour lui. Le mask, c'est le 24.0. IP OSPF 1 area 0. On va faire la même chose au niveau du routeur 2. Pour lui, c'est le 03. Interface CTH 03, nos shutdown, IP address 150.1.1.2.255.255.0, IP OSPF 1 area 0. On va venir au niveau de ce routeur. Ok. Le terminal, nous allons d'abord configurer le loopback interface LO0. LO0 IP address, c'est le 9e routeur, donc nous allons lui donner le 999 255 255 255 IP OSPF area 0. Et ici, son interface qui fait face au switch, c'est le G00. Interface G00. IP address 150.1.1.3.255.255.0. Donc, une fois fait, ce que nous allons voir, c'est que le routeur 9, on modifie ici, on va mettre R9. Alors remarquez que le routeur 9 va créer une relation OSPF. Est-ce que j'ai no chat cette interface? Remarquez que j'ai seulement mis l'adresse IP, je n'ai pas no chat. Et ça, ce sont des cas où vous attendez, vous allez attendre, mais pourquoi la relation OSPF ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que j'ai configuré l'adresse IP, j'attends quelques secondes, la relation OSPF ne fonctionne pas. Donc si je fais show IP interface brief, remarquez que le G00 est shutdown. Voilà pourquoi les éléments de base que nous avons fait lors de la première partie jusqu'à au chapitre qui ont précédé, ce sont les éléments à utiliser pour faire la validation de votre réseau. Est-ce que l'interface est up? Est-ce qu'il est down? Est-ce que le VLAN est bon? Donc ça, ce sont les bases. Effectivement, ici, OSPF ne peut pas fonctionner. Je vais repartir configure terminal interface G00. Je vais mettre mon shutdown. Donc là, maintenant que c'est fait, si je mets debug IP OS
OSPF, vous voyez que OSPF, la relation s'est même déjà créée. Donc là, si je fais show IP OSPF neighbor, neighbor, remarquez que le routeur 9 a deux voisins. Okay, il a le voisin avec le routeur ID 111 et le voisin avec le routeur ID 222. La copie, je vais déjà sauvegarder parce que je ne veux pas que lorsqu'on revient demain, que je puisse avoir à faire les mêmes choses. Ce sera notre topologie pour valider. Donc, voilà. Donc, nous avons maintenant une relation OSPF, on peut le dire, qui passe au travers du VLAN. Donc, le routeur 9 a deux voisins. Donc, chaque routeur a deux voisins. Le routeur 2 a également deux voisins. Et le routeur 1 a également deux voisins. Donc, ça, c'est l'aspect où nous avons OSPF au travers du VLAN, au travers d'un VLAN. Alors, les bases de la relation de voisinage. Nous continuons. Outre l'existence sur un même lien, afin de devenir voisin, les routeurs doivent envoyer des messages OSPF et s'accorder à devenir voisin. Si nous venons dans un routeur, repartant dans le routeur 9 par exemple, nous faisons debug IP OSPF point d'interrogation. Il y a plusieurs messages qu'on peut valider. Il y a par exemple le hello. Nous allons faire debug hello. Remarquez que nous allons voir des messages, ok, des messages qui sont transmis et reçu. Receive, c'est pour receive. Il a reçu de un hello qui vient du routeur qui a le 111, donc le routeur 1 et le routeur 222. Et lui-même aussi, il a send. Et les hello, vous allez remarquer que c'est un concept qui est vraiment que nous allons trouver dans plusieurs protocoles. Nous avons déjà vu ça dans STP, Spanning Tree. Nous voyons ça dans OSPF. Vous verrez ça dans des protocoles tels que BGP, d'autres protocoles. Hello, c'est un concept qui veut simplement dire, si nous créons une relation et que nous devons travailler ensemble, nous devons maintenir, nous devons vérifier. Tu dois vérifier que moi j'existe encore et je dois vérifier que j'existe encore, que toi tu existes encore. En fait, que tu es toujours actif du point de vue du protocole. Si je dois t'envoyer les paquets, ok, parce que dans le routage, il y a un élément très important. Lorsque les routeurs informent les autres, ok, le routeur 1 par exemple a informé le routeur 9 que je peux envoyer tes paquets, les paquets que tu veux envoyer au routeur 6, ok. Je dois valider que tu existes encore, sinon, si je ne valide pas, je continue à t'envoyer les paquets pendant que tu ne peux plus les transmettre ici, ça va causer des loss, ok. Je veux envoyer des paquets alors que tu n'es plus en mesure de les transmettre là où il faut. Donc la relation de validation hello, ça permet aussi d'éviter des situations comme ça, parce que une fois que tu m'informes, que je me rends compte que tu n'existes plus, je vais chercher un nouveau le moyen, une nouvelle route pour envoyer les paquets. Donc ça, c'est un peu pour expliquer le concept de hello. Pour ce faire, les routeurs envoient des messages Hello OSPF se présentant aux voisins potentiels. Donc, il y a d'abord le premier Hello. En supposant que les deux voisins potentiels ont des paramètres OSPF compatibles, les deux forment une relation OSPF et seraient affichés dans la sortie de la commande Show IP OSPF Neighbor. Lorsqu'une relation OSPF est down, les routeurs voisins propagent et laissent ça affecté par le lien. Les routeurs vont encore appliquer l'algorithme SPF pour retrouver les meilleures routes. Alors, rencontrer des voisins et découvrir leur identifiant. Donc, du point de vue des Hello, nous avons vu qu'il y a les Hello permanents, mais il y a aussi le premier Hello. Okay? Le premier Hello, c'est pour s'accorder sur les paramètres OSPF avant de créer la relation de voisinage. Maintenant, rencontrer des voisins, découvrir leur identifiant de routeur. Avec OSPF, le processus commence par des messages appelés Hello. Les Hello répertorient l'ID de routeur, donc le RID. C'est l'identifiant d'un routeur du point de vue de OSPF.
Donc, et le répertorie, l'ID de routeur de chaque routeur, il sert de nom unique à chaque routeur ou identifiant pour OSPF. Enfin, OSPF effectue plusieurs vérifications des informations contenues dans le message Hello pour s'assurer que les deux routeurs doivent devenir voisins. Les RID sont des nombres de 32 bits, par conséquent, la plupart des sorties de commande les répertorient sous forme de nombres décimaux à points DDL. Par défaut, iOS choisit l'une des adresses IP de l'interface du routeur pour utiliser comme RID. Cependant, le RID peut être directement configuré. Donc, dans OSPF, il y a ce qu'on considère comme un numéro de routeur, donc Route ID, l'identifiant du routeur du point de vue OSPF. Donc, dans cette topologie, vu que nous avons 9 routeurs, nous avons chaque routeur a un numéro qui l'identifie. Si nous repartons à la commande show, j'étais en train de vérifier ici là, au 1. Le problème est que j'ai maintenant beaucoup de duplex ici là. Ok, ça va empêcher notre vérification. Je viens au niveau du routeur 3, si je fais show IP OSPF database, remarquons que nous avons ceci. Link ID. Ce que nous voyons ici, c'est simplement l'identifiant de chaque routeur. OK? Et voilà pourquoi nous avons préféré mettre des loopbacks pour que nous puissions facilement identifier les routeurs en question. Parce que si nous n'avions pas configuré de loopback, OSPF devait choisir le Route ID sur la base des adresses IP configurées sur les interfaces. Et ce ne serait pas vraiment facile de faire la validation avec des adresses IP d'interface, parce que le 1 est de quel côté, le 2 est de quel côté. Or, avec les loopbacks, c'est facile. Maintenant, nous étions en train d'attendre le vieillissement du LSA. Je n'ai pas pu vérifier. Bon, j'ai évité de vérifier au routeur 1. Mais si je reviens ici, remarquez que le LSA du 222 était à 1293. Nous allons encore vérifier. Database, remarquons qu'il est maintenant à 565. Ça veut dire qu'il avait atteint le temps de vieillissement, les 30 minutes. Et le routeur a encore, il y a encore eu une propagation de ce LSA dans le réseau OSPF et la minuterie a été réinitialisée à zéro. Donc ça, c'est un comportement, un élément à noter. Et nous voyons que les autres, leur minuterie est en train d'augmenter. Alors, je dirais que ce n'est donc pas 1800, parce que ici c'est déjà 1900. Je vais voir en termes de secondes. Je pense que le manuel doit avoir cet élément. Nous ne sommes pas encore arrivés. Donc, ça c'est les Router ID. Donc, lorsque nous faisons Show IP OSPF Database, nous avons à côté de chaque LSA l'identifiant de routeur. L'identifiant de routeur. Dans l'identifiant de routeur. Donc, dès qu'un routeur a choisi son RID et que certaines interfaces sont app, le routeur est prêt à rencontrer ses voisins OSPF. Donc, c'est un élément très important. Le premier élément pour que OSPF puisse fonctionner, c'est que nous devons avoir une adresse IP configurée dans le routeur. Si vous n'avez pas l'adresse IP configurée dans le routeur, vous essayez d'activer OSPF, on va dire, on va vous recevrez le message qui va dire que OSPF va commencer à fonctionner une fois qu'il aura une adresse IP. Les routeurs OSPF peuvent devenir voisins s'ils sont connectés au travers d'un même sous-réseau. Alors là aussi, c'est un élément, c'est logique. Pour que OSPF fonctionne ici, les deux adresses IP configurées aux extrémités doivent être sur le même sous-réseau. Si nous faisons le contraire, la relation OSPF va se briser. Pour découvrir d'autres routeurs, parlons OSPF. Un routeur envoie des multi-diffusions packets OSPF Hello à chaque interface et espère recevoir des packets Hello d'autres routeurs connectés à ces interfaces. C'est ce que nous venons de voir également
Lorsque nous avons fait le debug, je pense, c'était au routeur 9. Remarquez que le routeur 9 est en train de recevoir, OK, en provenance du routeur 2 et en provenance du routeur 1. Mais lui, lorsqu'il envoie, il n'envoie pas au routeur 2 ou au routeur 1. Lorsqu'il envoie ces hello, il les envoie à cette adresse IP multicast. Send, OK? Nous voyons ici send hello to 224.0.0.5, area 0. OK? Lui, il est en train d'envoyer à l'adresse de multicast. Donc, lorsque chaque routeur OSPF envoie le hello, il envoie son hello à l'adresse IP multicast pour dire que. Et le multicast, nous savons le principe, lorsque le multicast arrive, tous les routeurs qui écoutent à ce multicast, tous les équipements qui écoutent à ce multicast vont recevoir ce paquet. Donc en d'autres termes, lorsque le routeur 9 envoie au 224.0.0.5, le routeur 2 va écouter, le routeur 1 également va écouter. Point de vue technique, le loopback peut être configuré avec n'importe quel masque. Donc si vous faites IP address, si on veut configurer un deuxième loopback, le 99.99.99.99, on peut mettre 255.255.255.0. Le loopback sera configuré de la même façon qu'avec le 32, le masque de 32. Il peut accepter n'importe quel masque. Mais on le fait avec les masques de 32 juste parce qu'on se dit que c'est une adresse IP virtuelle et il n'est pas dans un subnet. Donc on veut juste propager l'adresse IP uniquement, pas un subnet. Je vais effacer tout ceci pour. Ok, je vais effacer seulement une partie. Si je configure, je vais sur l'interface interface G00 et l'adresse IP que je configure, par exemple, c'est le IP address 192.168.1.1.255.255.255.255.252. Entre parenthèses, je mets barre 30, ok. Lorsque j'irai sous Router OSPF 1, je dois faire attention au masque à utiliser. L'adresse IP, le network command que je vais mettre sera le 192.168.1.0 et je vais inverser le masque 0.0.0.3. En d'autres termes, c'est tel que j'avais dit. Si vous faites, pour l'instant, si vous faites 3 plus 2, ça vous donne 255. C'est un exemple seulement. Mais si vous voulez configurer cette méthode sur cette connexion, vous allez par exemple faire 111.1.1.0. Donc, vous adaptez jusqu'au masque que vous voulez configurer. Si c'est le 111.1.1.0, si c'est le 111.1.2.0, ainsi de suite, vous mettez le. Oh, ici c'est l'adresse IP, excusez. Ici c'est l'adresse IP, ouais. Donc, je dois modifier ici. 111.1.1.0. Ici c'est l'adresse IP qui doit correspondre au masque. Okay, de selon l'exercice et dans le network command pour le bar 30 vous allez mettre l'adresse de réseau et le masque inversé. Le masque inversé, nous allons voir les détails, mais dernièrement on avait juste donné un exemple, c'est que ça c'est on appelle ça le wildcard mask. Voilà, maintenant là également quelque chose à préciser, le loopback. Nous ne sommes pas obligés de le publier dans OSPF. OK? Si nous configurons un loopback sans le publier dans OSPF, OSPF pourra l'utiliser comme identifiant de routeur, comme RID.
OSPF pourra l'utiliser comme RID, mais nous ne sommes pas obligés de le publier dans OSPF. Mais si nous voulons, à partir du moment où, si nous voulons publier le loopback, nous devons venir ici, faire la même chose, faire le network, par exemple pour le routeur 9, 9, 9, 9, 9, mask, ce sera le 0, 0, 0, 0, area 0. Apparemment, c'est le 255. Ça, c'est un élément honnêtement que je dois vérifier. Je dois vérifier. Si vous mettez 255, OSPF va mettre 00. On peut tester ça rapidement ici. Je viens de configurer le 9990. Je vais simplement modifier ça. Configure. Configure terminal interface loopback 1. Je vais modifier l'adresse IP. Je vais mettre le 255. Okay. Donc nous allons remplacer ça en un bar 32. Nous n'avons pas encore mis cette interface dans OSPF, je pense. Si je viens dans Router OSPF 1, je peux mettre Network 99 99 99 80, non, 0. Ok. Je vais mettre 255 255 255 255 Area 0. Si je fais du show run begin router, c'est ce que je disais. Nous avons mis 255, 255, 255. Le routeur remplace ça par 0000. Parce que tous les bits qui sont sur cette interface sont activés. Donc ça c'est pour la méthode, donc pour faire simple pour l'instant, la méthode, la deuxième méthode, en fait la méthode de network command, c'est d'abord configurer l'adresse IP sur l'interface et ensuite partir sur le mode de configuration routeur OSPF et pour ajouter la commande network avec le masque inversé correspondant. Okay.